Et bonjour à tous, ici Morgan von Brilan. Et on se retrouve pour mon premier épisode de Neo Flash. Une série où je vais jouer à des jeux Flash. Et ce, grâce à Flashpoint. Lien dans la description. Normalement. Sinon, il faut taper sur signe. Voilà. Et aujourd'hui, Hoplite Games nous permet de jouer à Imperator. Un jeu où on va créer l'Empire romain, en fait, ni plus ni moins. Ce jeu, qui bien évidemment c'est un jeu Flash, donc il est sorti il y a des années et des années. Et il faut savoir qu'il est assez bugué et qu'il y a une tendance à se softlock. C'est-à-dire à se bloquer d'une manière où le seul moyen c'est de recharger la sauvegarde. Donc si à un moment vous remarquez une coupure dans la vidéo, c'est que c'est exactement ce que j'ai dû faire. Voilà. Imperator qui donc veut dire général. Voilà. Ça a la même étymologie qu'empereur, mais ça veut pas dire empereur. Un nouvel empire est né. Rome se tient sur les bords de la rive du fleuve Tibre. Bref, il y a plein de gens autour et veulent nous péter la gueule, et du coup, on va leur péter la gueule en premier. Voilà, donc on commence là. On a juste... Imperator, me dit-il, avec un accent excessivement anglais. Suspicieusement anglais, dirais-je même. Je sais pas comment on dit suspect en latin. Train Army, voyons voir, j'ai 50 d'or, je gagne 20 par tour. J'ai une province sur les 30 qui existe dans le jeu, et j'ai une légion sur les 8 que je peux posséder. Et aucune flotte. Lucius Postminus Albinus. Pour 50 balles, je peux lui mettre une légion. Bon, je vais lui mettre une légion. Voilà. Je mets fin au tour. Et immédiatement, on va aller conquérir la Gaule Cisalpine. Bonjour, on rejoint mon empire. Ah, ils acceptent, d'accord. Ils sont faibles. Je sauvegarde la partie. Lord. Allons conquérir le Narbonnais. Bonjour. Vous êtes bienvenue. Notre nation vous salue avec respect, votre nation. Vous êtes une bande de tribus. Soumettez-vous. Non? Bah, par force, par la force alors. On va y voir. Donc, on est 11 000 Romains surentraînés. Enfin, 11 000 11. Oui, d'accord, il y a les 2 fois 5 catapultes. On va dire que c'est des scorpions. 2 fois 5 scorpions plus mon général, ça fait 1011. Généraux, sachez que les généraux sont en papier mâché également. Ils ont une très forte tendance à mourir. Et en face, on a une bande de sauvages inéduqués. Qu'on va arroser de flèches. Ok, on leur a mis la violence. Ils nous rentrent dans le lard. Tout va bien, on a... Ah bah... Ah ah ah, ils ont exterminé la moitié de ma cavalerie. Salaud. Je continue de leur taper dessus. Tiens, voilà, ça c'est pour ce que vous avez fait à ma cavalerie. Ok, 2500 qui reste. Élimine ce qui me reste de cavalerie. Au secours. Et ceci était de l'attaque suicide. Bon. Très bien, très bien, très bien, très bien. Ah oui, en fait, le Narbonnais. Narbonnais, building. Ouais. Oh là là, on n'est pas content, on se révolte. Silence! Puisque vous prenez comme ça, je vous mets un pot maximum. Donc là, c'est que ils étaient prêts à se rebeller, mais je leur ai mis 2 légions sur la tronche et subitement ça les a calmés. Ici. Ouais, c'est comme ça. Oula. Flotte ennemie représente de Carthage. Allez, salaud!
nous envoie un quatrième au visage. Ici, on va construire un colisée. Voilà. Colisée, comme ça, magiquement, ils sont heureux. Ici, je vous jure, c'est comme ça que ça marche. Ici, pareil, tribu élevée, colisée, voilà. On pourrait dire, peut-être un marché, un forum pour augmenter les taxes. Non, parce qu'en fait, je connais le jeu, ils vont finir par devenir rebelles de toute façon, donc... Autant leur mettre juste un pot maximum. Ok, on a soigné nos légions. Créer une flotte, ça coûte cher. Ah, ils sont là. Je mets fin au tour. Et oui. On peut faire quelque chose? Regardons. Non, ils font rien. C'est là que c'est quoi là? Ils ont envoyé des navires, mais pas d'armée pour aller avec. Y'a que des matelots. Y'a juste 4 matelots. Bon, les Alpes. Soumettez-vous. Ah, ils se soumettent extrêmement pas. C'est pas grave, cette fois je suis encore plus puissant. On les bombarde. Et ils décèdent. Très fort. Ils se défendent. On continue de bombarder alors. Hein. On va pas leur rentrer dedans alors qu'ils se retranchent. Elle nous rentre dans l'art. Légio! Tenez! Ah, mes catapultes! Salaud! Wow, bravo! Qu'est-ce que c'était que cette attaque? Ils ont détruit la plupart de nos balistes et nous, on a juste buté 17 gars? Finissez le travail! Ah voilà! Et le gars qui fuit, chopez-le! Il y a hors de question qu'un seul survive! Vous, vous êtes amicaux, soumettez-vous! Bon bah, soumettez-vous! Juste leur rentrer dedans comme un... Comme une brutasse. Voilà, ça marche bien ça. Non! Mes lanceurs de javelot. Mes javelins, mes javeleurs. Je sais pas comment on dit. Ah, ils se défendent. Bon bah, javeleurs, javelinés. Ah, ça javeline sec. Où est-ce que tu te défends? Bah, on va continuer de javeliner. Ta javeline? Ah, ça javeline bien. Ok, ils décident enfin de se défendre. Enfin, faire quelque chose. Ils ont juste buté quelques cavaliers. Les Equites. Ce sera absolument insuffisant, je le crains. Adieu, barbares! Ils sont marre. Oh là là, on n'est pas content. Tenez, prenez un colisée. Soyez heureux, c'est un ordre. Ok, on va conquérir l'Illyrie, je pense. Armée moyenne. File-moi du fric. Nice, ils m'ont filé 15 balles. Fait 15 balles, est-ce que je peux faire un bâtiment ici? Temple de Saturne, plus 10% de défense. Temple de Mars, 20% d'attaque. Temple de Neptune, 10% de défense avec une faute d'orthographe. Temple de Jupiter, plus 10% de dégâts de mêlée. Nous, ce qu'on veut, c'est le temple de Mars. Hein. C'est le plus cher, c'est le plus fort. Et en attendant, on va se faire une armée, je pense. Non, pas tout de suite. Finir notre tour. Voilà, petit colisée. Oula. Cénorix. Cénorix le breton. Qui nous envoie... qui envoie deux navires. Ah,
Voilà, on se fait une armée complète, on leur met un meilleur général. 20% de dégâts de tir, oui! Gnaeus Servilus Geminus. Tu es parfait. Tu seras mon César. Oula. Carthage qui voit encore des navires obscurs. On va essayer de conquérir la Germanie. Rejoignez-nous. Ok, leur armée est puissante. On a 20% de dégâts à distance. Donc, javeliné, catapulté, scorpionisé, c'était nul. Oh, c'était nul à chier. Waouh. Rien du tout. D'accord. Ah, c'est nul. Ils sont mes 20% de dégâts avec les... Bon, tant qu'ils se défendent, moi je continue de tirer, mais... Pourquoi ça fait aussi peu de dégâts? Voilà. Ah, ouf, la volée. Oh, il y a 4000 mecs qui sont morts. Ah là, je descends les 20% de dégâts. Oh là 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 là, ils sont exterminés. Vas-y, fais-moi rien. Est-ce qu'on va réussir à conquérir la Germanie sans perte? Genre vraiment? Ah non, 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 il me rentre dedans. Là, ok, là on va prendre cher. Continue de tirer, hein. Moi j'ai le bonus. Technique de couard. Voilà. Ok, maintenant chopez-le. Bon, bah la Germanie c'est fait. Germania, le truc qui en réalité n'a jamais été conquis par Rome. Mais ici on va tout conquérir. Hein. La Germanie, la Sarmatie, je sais pas ce que c'est. La Russie quoi. La Dace, pareil, ils avaient des petits morceaux de la Dace, mais pas ce gros morceau là. Oh, puis c'est riche ici! Oh, c'est richissime! Lord. Ouais, bon, ils sont rébellieux. Bah, tenez, Colisée. Voilà, ils sont plus rébellieux. Maintenant, la Gaule! Je vais te péter la gueule! Ah, il y a une rivière! Eh bah, raison de plus pour rester à distance. Oh, 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 pas mal! Ah, eux, ils ont pas d'attaque à distance du tout. D'accord. Ah, c'est des brutasses. Non. Mes catapultes. Oh, on leur a mis super cher, par contre. Ça, c'est la rivière. Hein. Faut pas déconner avec les rivières. Pas mal. Bon, comme vous pouvez le constater, c'est pas de la grosse stratégie. Hein. C'est assez basique. Je bois de l'eau. Boivez de l'eau dans la vie, c'est important. Évidemment, ils ont appris de leurs échecs. Ils ne veulent pas à nouveau m'attaquer en traversant la rivière. Parce que moi, du coup, je pilonne. Ok, ok, là, c'est le désespoir. Ah! Mamma mia. Ah, il m'a fait super mal. Wow. Continue de tirer. Ah. Ok, fuis. Chopez-le. Chopez-les. Parce qu'ils sont 2000. Je peux me tromper, mais je crois que 2000 c'est pluriel. Ouais, la Gaule, ça aussi c'est riche. Donnez-moi tout votre pognon. Ok, building, coliseum. Et ici, on va se créer une armée. Légion maximum. Et on va mettre... Ah, ça coûte trop cher. Ah. Ça coûte trop cher parce que j'ai fait un colisée. Ah.
Tant pis, c'est pas grave. Oula! Oula! Pyrrhus qui débarque de Grèce. Ok, Crète Armée, tac 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 tac. 10% de dégâts de mêlée, ok. Parfait, on va les défoncer. Ok, on va attendre un tour. Il va reconquérir la Pannonie. Mais si en fait je me déplace en Pannonie, ce sera lui l'attaquant et donc il attaquera en premier. C'est beaucoup plus avantageux pour moi. De l'attendre ! Ya ! Ok. Ok. C'est Pyrrhus. Ok. Ok, on a déglingué la quasi-totalité. Non, pas la quasi-totalité du tout. Une bonne partie de leur cavalerie. Ok, bon, avec ce général-là, ouais, 10% de dégâts de mêlée. Allez, on a des couilles! Rentrez-leur dans l'art! On a tué leur général! On a tué Pyrrhus! Pyrrhus est mort! J'ai pas vu ce qu'il avait comme bonus. Je sais pas si on peut voir les bonus du général adverse. Ok, il m'en fait 3 fois rien. Défoncez-les! Pourquoi ils ont des éléphants d'ailleurs? Ils avaient pas d'éléphants les Grecs. Si. Je suis pas expert en histoire mais. C'est pas Hannibal quoi. Non! Mon général! Dont je connais absolument pas le nom. Ah, ça fait super mal. Ça fait super mal, mais je pense que... on va les avoir. Ok, leur contre-attaque a rien fait du tout. Ils sont laissés massacrer. Aïe, 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 aïe. Ils s'enfuient! Ya ya! Comme ça, ya ya, ils avaient deux généraux! Et je reconquiers la trace. Par contre, j'ai perdu mon Colisée. Et ça, ça fait chier. Et ici, on va se faire une flotte. Je veux des kakerem. 4 kakerem, 330. Ah, c'est trop cher. Voilà, on renfloue notre armée. Eux, on va les laisser là pour l'instant. Parce que je voudrais me faire le... on va se garder. Ok, on va se faire notre flotte. Non, une flotte. Ok, je veux plein de quinquérem. Gnaeus, Servilus, Geminus. Il y en a déjà ce mec, je peux pas le mettre. Si. Ah, le mec, il a à la fois amiral. Ok, montez là-dedans. On va attaquer Carthage. Ils se révoltent pas encore. On va leur faire un colisée quand même, comme ça ce sera fait. Ah oui, le leader il est mort. Appius Claudius Caecus. C'est un peu nul. Servius Sulpius Galba. Du coup, on viendra très bien. Sauvegardons un coup. Et on va rentrer dans les Carthaginois. Ok, ils ont quoi? Ça, c'est des. Une trirème, une. Quadrirème. Une cacarème. Bonus au tir. Bah, tire-leur dessus.
Hop là. Ce drift. Alors, si je me souviens bien, en vert s'indique la coque du ship et en blanc son équipage. Sachant que le tir est donc plus efficace pour éliminer l'équipage. Eh bien, écoutez, c'était facile. Et je peux débarquer immédiatement? Non. Eh, Carthage, soumettez-vous. Nous sommes... Ok, bon bah... Carthago... Pas d'Elenda Est, du coup. Si j'ai bien compris. Il se soumet. Oui, oui, nous adorerions faire partie de l'Empire romain, pas de problème. Quoi? Comment ça, pas de problème? Bon bah... Et là, c'est l'Égypte qui casse les couilles, donc on va aller marcher jusqu'en Égypte. Hop là, Cyrenaïque, soumettez-vous. Non? Pas par la force, alors. Bonus au tir. Et bah tirez! Balancez-leur de la caillette dans la bouche. Ça va? Quel goût, le caillou? Apparemment, c'est amer. Eh bien, écoutez, si c'est ta mère génique. Moi, oh. Je fais des blagues. Oh, il se défend. Oh, c'est mignon. Rentre-lui dans le lard. Hop là, il est où ton bouclier? Voilà, on se fait suivre par notre flotte, bien sûr. Ok, on va attaquer leur flotte d'abord. Oh, grosse cacarène. Ok. Essayez de buter tout leur équipage. Ok, on a abattu une... C'est Trirem, ça? Ils se défendent. Ouais, c'est Trirem. On a abattu une Trirem. On a abattu deux Trirem. Oh, et leur navire amiral fuit. Est-ce qu'on pourrait réussir à le tuer? Non, on l'a raté. Quel dommage. Bon. Il a fui, donc on a quand même exterminé leur... Ok. Soumettez-vous. Oh là 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 là. Tellement riche, Carthage. Donc l'Égypte du coup qui s'est soumise sans poser de questions. Ils ont vu leur pharaon rentrer la queue entre les jambes sur sa petite barque là. Ils ont fait ok. Le Sénat, c'est peut-être pas mal. Tu tires, écoutez, on change pas une recette qui marche. Ça fait mal. Oh non! Mes javelinos. Allez, baston. Hop là, les javeliniens. Non! Comment il a fait? Non, mon général! J'aurais dû me contenter de tirer. Oh là là là, j'ai changé la recette qui marche. Fou que je suis, j'ai changé la recette qui marche et il est mort. Macédoine, soumettez-vous. Parfait. Vous, oui, d'accord, vous avez droit à un colisée. L'Arabie, soumettez-vous. C'était pas une question. Servilius? Tu es vivant? Est-ce que c'est un bug? Parce que moi, il me semble clair... J'ai un clair souvenir d'avoir vu disparaître et entendu faire...
Comme vous... Oui, voilà, exactement comme ça. Exactement comme ça, merci. Oh, j'en peux plus. Bon, cette fois, il est mort. Si Nike est rebelle, et bah, augmentez les taxes et faites un coliser. Voilà. Je suis un génie de la politique. Et les Grecs se soumettent sans poser de questions. La Mésopotamie. Vous vous soumettez? Ils se soumettent pas. Ah, et cette fois il est mort. C'est extrêmement triste contre leur dedans. Ils ont des éléphants, j'en ai rien à battre. Bon bah ils ont plus d'éléphants. Ah, ils ont des chariots. Il faut savoir que à l'Antiquité, durant l'âge de bronze, le chariot, c'était le top du top des unités militaires. Ça coûtait super cher à entretenir, mais c'était vachement fort. Mais t'as regardé ça, chariot 40-15-025, l'archer 2-0-2-2. Cavalier 9-0-3-3. Chariot, c'est super fort. C'est super fort. Et bah, ils fuient. Non, détruisez leur chariot. Il y a deux questions qui s'en sortent. Je sais pas si on peut les rattraper. Difficilement, hein. Je suis à patte. Ça va que j'ai de la cavalerie. Des vélités, ça s'appelle. Ah, c'est pas qu'on se dit qu'il y a des... Putain. Pourquoi pas des scorpions? C'est des vélités. D'accord. On a eu tous les chariots. C'est la bonne nouvelle. Ah, la Mésopotamie, ça doit être riche, ça. Ouais. Alors. Vous allez grimper dans la trirème. La Syrie, vous vous soumettez? Ils se soumettent, c'est parfait. On va baisser un peu le tribut parce que moi je vais aller ici. Temple de Mars. Et on sauvegarde. Et ici, ils se soumettent. Augmentez les impôts et faites un colisée, hein. Vous connaissez. On sait comment ça marche. Ici, pareil. Colisée, c'est état joyeux automatique. Hein. Du pain et des jeux, les gens. Du pain et des jeux. Pergamo. Vous soumettez? Ils soumettent. Parfait. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Marcus Aemilius Lepidus. Oui, on va mettre Marcus Aemilius. Machin. Alors, vous ici, vous payez vos impôts, vous dans le bateau, et vous, vous allez capturer l'Espagne. Oula, Britannia, qu'est-ce qui se passe faire, hein? Qu'est-ce que vous voulez, vous? Casser les couilles. Pergamo, elle voit rien, cette région. Ok, l'Espagne. Armée grosse. Je te pète les gueules. Bonus au tir? Eh ben, tire-leur dans les genoux. Eux, ils ont pas d'archer. Attendez, c'est ça que le jeu appelle une grosse armée? On n'a pas la même notion de grosse, je crois. Je sais que moi j'ai une armée de taille maximale, mais quand même. Respecte-moi.
continuer de tirer, hein. J'ai des bonus pour ça. Ça se passe bien. Ça se passera très bien. On a toujours pas eu de plantage du jeu, d'ailleurs. J'en suis très heureux. Leur morale tient, quand même. Ils nous ont pas infligé la moindre perte, mais leur morale tient. Les mecs, ils font la guérilla, ils se retranchent dans les montagnes. Et ils font rien. Oh! Oh, il y a des couilles! Waouh! Il a buté 70 mecs. 66. Il en est mort. Bon, bah, c'est une victoire étrangement facile. Et vous, Train Army, tac, 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 et... En général, oh, 25% de défense. Quintus Fabius Maximus. C'est pas mal, ça. 15% de dégâts de mêlée, on va prendre ça. Et... On va créer une autre flotte. On la fera au prochain tour, quand on aura un peu plus... Voilà, de pognon. Oh, regarde, c'est couilleux. Vous retournez là-dedans. Parce qu'on va aller... Oh, attendez. Manage province. Ah. D'accord. Liliaï, c'est où Liliaï? C'est où Liliaï? Sanaï, Atal, Mésopotamie, Arabie. C'est où Liliaï? Ah, c'est là. D'accord. Bah, ils sont très heureux. Et on est très heureux qu'ils soient très heureux. Voilà, Max. Ah, je peux avoir 5 navires. Ah, je crois que j'en ai que 4 dans mon autre. Ouais, le bonus de. Bonus de rentre dedans. Parce qu'en fait, on va servir comme taxi parce que Stormella, elle va conquérir la Mauritanie la minuit midi. Et après, ils vont remonter jusqu'en Britannie, hein. Puis la Sarmatie. Hop. Soumettez-vous. C'était pas une question. Vous êtes faible. Hop là. Elle est où la cavalerie mort? Oh, elle est nulle part. La cavalerie berbère. Hein? Ils sont les berbères. Il n'y a pas de berbères. Les morts. Mange leur mort. Une blague qui, j'en suis certaine, n'a jamais été faite. Non mais nous, on est bien là où on est. On va y rester. Hop là. Ouais. Désolé les gars, je peux pas vous faire de... J'ai pas le budget. Ok, maintenant j'ai le budget. Tac, tac. Vous, allez là. Et vous, allez là. Ils soumettent pas. Les numides. Tenez-vous les enfants, ne parlez jamais sèchement à un numide. Oh là 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 là. Je serais curieux de savoir comment fonctionne l'IA exactement. Les mecs, ils ne font que se défendre. Alors que moi, bah, je les arrose. J'arrose les numides. Ah, il résiste, lui. Ouais, plus ou moins. Merde! J'ai mis ce clic. Oh, la baston de regard. Voilà. Zéro perte. C'était... affligeant. Par contre, ils sont nombreux! Ah, il y a Carthage qui a encore des navires là-bas en exil! Ok, vous. Ouais, là! Puis après. Pop, 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 pop. Ouais, comme ça. La trace! La trace se soumet. Parfait.
Vous montez dans le bateau. Oh là là, on n'est pas content. Du pain et des jeux, cassez pas les couilles. Toi, tu vas retourner là, et toi, tu vas aller là. Soumettez-vous. Non. La Bitini ne se soumet pas. Plus 4% de dégâts de mêlée, mienne, rivière. Donc, je vais les laisser faire l'offensive. En espérant qu'ils fassent l'offensive. Ils font pas l'offensive. Au contraire, ils se retranchent, ils sont malins. Ils sont malins, les Bitiniens. Mais ils sont morts aussi. Rien à voir avec les morts. Enfin, les morts sont morts aussi. Mais là, c'est les Bitiniens. Ah, ça y est. Il faut quelque chose. Ah non. Je croyais qu'il fera quelque chose. Je me trompais. Voilà, zéro perte donc. Sauvegarde. Ah, il voudrait attaqueur dernier. Bon, on va rien faire du coup. Ok, maintenant on peut les attaquer. Baston! Il faut surtout pas que cette flotte coule. Il y a une armée entière là-dedans. C'est pour ça qu'on va leur rentrer dedans comme des... comme des... Alors, comme vous pouvez le constater, le fait de leur rentrer dedans, ça fait des dégâts à moi-même aussi. Mais, waouh! Oh, Carthage qui a pris tarif! Ils se rebellent malgré le Colisée! Ah! Galati, vous soumettez? Ils ne se soumettent pas. Eh ben, ils se soumettront quand même. Dégâts de mêlée, allez hop! Coupez-les en petits morceaux. Je suis toujours en stress quand les ennemis font quoi que ce soit. Parce que là, en vrai, ça va. Les unités à distance qui sont mortes, c'est pas grave, bonus sur dégâts de mêlée. Là, ça va, mais je sens que j'ai beaucoup joué à ce jeu et les généraux ont une tendance à mourir. Ça me rend fou. Qu'est-ce que je disais? Quel enfer! Ah! Parle pas de malheur qui disait. Ah, il en fait, je peux avoir une cinquième carte carrément. Je peux me faire une armée de plus aussi. Du % de dégâts de mêlée? D'accord. Et 4 navires. Aïe aïe aïe, casse les couilles les pergamos! Toi, tu vas marcher jusque là. Et toi, tu vas bugger. D'accord, super. J'ai cliqué dessus, il a fait na. Putain, ils sont amicaux, mais ils soumettent pas. Boum. C'est vrai que j'ai plus général. Ça fait mal. Pas avoir de général. Par contre, les flèches ennemies, elles font pas mal du tout. Ça, c'est au moins, c'est une bonne chose. Oh là 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 là, ils se font massacrer. Est-ce qu'il va se faire toucher quelqu'un? Non. Rien du tout. Et ben on les achève. Je pense que ça va achever au moins, voilà, leur morale. Et bien il n'y a plus qu'à leur mettre des coups de glaive dans le dos, hein.
Ils font des grands mouvements de haut en bas avec leurs glaives. C'est pas comme ça qu'on utilise un glaive, les enfants. Un glaive, ça perce beaucoup plus que ça ne tranche. Ah, c'est sérieux? C'est le bug. Alors, on va y arriver. Alors cette fois, la flotte de Carthage s'est pas laissée faire. Du coup, j'ai débarqué mes troupes. Applaudis, bien nommé. Bah, ah, non, mon vaisseau amiral. Non, non, cassez-vous. Rien se passe comme il faut. Enfuis. Ah. Mais non. Pourquoi enfuis? On a plus de morale qu'eux. Plus de morale qu'eux, pourquoi on s'enfuit? Quel enfer! Au secours! Ça, je me rends fou! Ça, je me rends fou! Oh, les batailles navales qui se passent pas du tout comme il fallait! Oh non! Oh, les deux premières fois, ça s'était passé tellement bien. Puis j'ai décidé, ça se passe un peu trop bien pour toi. Je vais planter et quand tu vas recharger la sauvegarde, je vais faire n'importe quoi. Pourquoi on s'enfuit? On avait plus de morale. Ça me rend fou. Ah là, soumettez la DAS. Avec audace. Lord, as you wish. Oula. 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 Pourquoi on est undefined? Ça me fait peur. On a un navire qui est undefined. Au secours, ça va tout faire planter. Je propose de ne plus utiliser cette flotte, elle me fait peur. L'Arménie se soumet, c'est formidable. Sarmatie se soumet, c'est génial. Ah d'accord. Alors, navire amiral seul, nous rentre dedans. Je vais te montrer comment on fait, gamin. Oh! Et ça se rebelle. Ah, la Galicie, ça rapporte rien. Become Empire, d'accord. Et bah, du coup, je propose de changer notre bâtiment. On va prendre le temple de Neptune. Vénérer Neptune, parce qu'en termes d'armée, pas tranquille, quoi. Shooting, on va shooter. Oh là, on a eu leur navire amiral. Oh, leur morale. Ça se laisse pas abattre. Mais non. Je savais même pas qu'on pouvait abattre l'amiral sans abattre son navire. Pour moi, l'amiral, c'était le navire lui-même. Enfin, j'imagine que ça se tient que non.
ils ont réussi à s'enfuir. Salaud. Cassez pas les couilles, les Arméniens. Payez vos impôts. Rentrez-leur dedans, je m'en fous. Diglinguez-les. Voilà. D'accord. Voilà, du pain et des jeux. Tac. Toi, va. Ah, je peux pas. Alors, il faut vraiment que j'attende que... Attends, j'ai pas besoin de navire pour aller en Britannie ? J'ai pas besoin de navire pour y aller. Je croyais. Ah. Quel enfer. Plus 5% de moras. Nul à chier ça. Boum les Bretons. Ils ont des chariots. Déglinguez-les. C'est bien, c'est bien. On laisse au chariot l'espoir de survivre. Espoir futile, bien sûr. Wouh ! Victoire ! L'Empire romain s'étend sur tout le monde connu. Vos armées ont conquis chaque ville et chaque tribu qui osait se frotter à vous. L'histoire se souviendra de votre nom pour des millénaires. Ah ouais, Imperator. Eh ben on a gagné. Voilà. C'est tout. Quel enfer ce jeu. Moi j'adore. J'adore. Bon. Eh ben, au revoir à tous, et à la prochaine.